Un tube, une histoire, les secrets et anecdotes de vos tubes préférés. Nous sommes le 26 septembre 1985, Coluche vient de se marier pour de faux avec Thierry Leluron. Il vient de remporter un César pour son rôle dans Ciao Pantin et il ne le sait pas encore, mais il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il lance un appel depuis les studios d'Europe 1 pour distribuer 2 à 3 000 repas aux plus démunis. En décembre, il rend visite à Jean-Jacques Goldman qui se produit au Zénith à Paris et lui demande de composer un tube en 3 jours pour pouvoir récolter des fonds. Goldman, Coluche, Nathalie Baye et Michel Drucker se retrouvent au studio Gang dans le 5e arrondissement à Paris pour l'enregistrement de la chanson des Enfoirés. Les voix de Catherine Deneuve, Michel Platini et Yves Montand sont enregistrées séparément. Voilà donc la première troupe d'Enfoirés constituée et leur hymne sort le 24 février 86. Hélas, sans Daniel Balavoine disparu quelques mois plus tôt. Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Autrefois, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Les autres sont toujours en danger.